Ici, nous allons faire l'étude approfondie d'un lieu géométrique très particulier. Pour ce faire, on nous donne une droite D et un point F. Et ce que nous cherchons, c'est le lieu géométrique de tous les points situés à la même distance d'une droite et d'un point donné. Une chose est évidente, si nous traçons le segment passant par F et qui est perpendiculaire à D, alors le milieu de ce segment doit déjà être un point du lieu géométrique cherché, puisque la distance de ce point à F est exactement la même que la distance de ce point à D. Donc nous avons déjà un point du lieu géométrique. Maintenant nous construisons ceci. Nous construisons un cercle de centre F et d'un certain rayon donné. Et puis, nous traçons tous les points qui se trouvent à la même distance, égale au rayon ici, de cette droite D. C'est-à-dire, nous traçons ces deux droites parallèles à D qui se trouvent à cette distance-là de la droite D. Ça, on peut le tester avec cette distance donnée. Cette distance donnée, c'est bien le rayon du cercle, mais c'est aussi la distance entre les points de ces deux droites parallèles à D et la droite D. Donc, là où cette droite coupe ce cercle, ce sont nécessairement deux points du lieu géométrique demandé, puisque la distance d'un tel point d'intersection au point F est exactement la même que la distance entre ce point et la droite D. Ce point a été construit ainsi, et celui-là aussi. Donc, nous pouvons en fait faire la même chose pour d'autres rayons donnés, ce que nous allons faire. Voici un cercle d'un certain rayon donné et de centre F. Maintenant, nous traçons les deux droites parallèles à la droite D qui se trouve à la distance rayon de cette droite D là. Là où cette droite-ci et le cercle se coupent, c'est-à-dire là et là, ce sont nécessairement deux points du lieu géométrique cherché. Bougeons maintenant droite et cercle. Choisissons un autre rayon, par exemple celui-là. Nous traçons les deux droites correspondantes. Là où cette droite coupe ce cercle, nous avons deux points du lieu. Droite et cercle peuvent disparaître. Autre rayon, autre droite, point d'intersection, on a de nouveau deux points du lieu. Si on prend la distance rayon trop petite, alors les deux droites ne coupent pas ce cercle. Et ça ne donne aucun point d'intersection. Jouons encore un peu. Rayon, droite, point d'intersection. Rayon, droite, point d'intersection. Rayon, droite, point d'intersection. Rayon, droite, point d'intersection. Et ainsi nous constatons que tous ces points du lieu qu'on a déterminé ici se mettent le long de cette courbe-là, dont nous reconnaissons bien sûr la forme. Ça, c'est une parabole. Et voici la vraie définition d'une parabole. Une parabole P est le lieu géométrique de tous les points situés à égale distance d'une droite donnée et d'un point donné. C'est ça, une parabole. Et cette parabole a son axe de symétrie horizontal. Le point donné est appelé le foyer de la parabole. Pourquoi foyer? Parce que, imaginons que ceci soit un miroir parabolique. Et nous avons maintenant un rayon de soleil ou un rayon lumineux qui arrive sur ce miroir et ce parallèlement à l'axe de symétrie de la parabole. Donc nous avons un rayon lumineux qui touche la parabole
le miroir en ce point-là, alors ce rayon lumineux sera réfléchi par le miroir parabolique de façon à ce que le rayon réfléchi passe par le foyer. Tout rayon lumineux qui arrive parallèlement à l'axe de symétrie sera réfléchi par le miroir parabolique de façon à ce que le rayon réfléchi passe par le foyer. Tous les rayons qui arrivent parallèlement à l'axe de symétrie de la parabole seront réfléchis de façon à ce que les rayons réfléchis passent tous par le foyer. Et le contraire est également vrai. Si jamais ceci, le foyer, est une source lumineuse, alors les rayons lumineux qui partent de cette source frappent sur le miroir parabolique et sont réfléchis de façon à ce qu'ils soient tous parallèles à l'axe de symétrie de la parabole. C'est exactement cette propriété dont on s'est servi dans le temps pour les phares d'une 2 chevaux. L'ampoule d'une telle lampe est mise exactement au point foyer pour que les rayons partant de l'ampoule soient tous réfléchis et soient tous parallèles à l'axe de symétrie de ce paraboloïde de révolution. La droite D qui était donnée au départ s'appelle la directrice de la parabole. Pourquoi directrice? Parce que la droite donnée dirige la parabole. Si par exemple la droite donnée n'est pas verticale, mais si elle était comme ceci, oblique, alors automatiquement la parabole a son axe de symétrie également oblique. Donc cette droite-ci, la droite D donnée, dirige bien la parabole qui est donnée au départ. OK? Et la distance, petit p, entre la directrice D donnée et le foyer F donné, cette distance s'appelle le paramètre de la parabole. C'est pour ça qu'on l'appelle petit p, p comme paramètre. Voyons comment varie la parabole si on change le paramètre P, c'est-à-dire si on modifie la distance entre le point F donné et la droite D donnée. Voyons comment la parabole change. Nous constatons, plus P est petit, plus la parabole est fermée. Si P devient plus grand, la parabole s'ouvre, elle s'ouvre plus. Appelons ça l'ouverture de la parabole devient plus grande. Nous allons ici déterminer l'équation cartésienne d'une parabole dans un système de référence. Rappelons qu'une parabole est donnée d'abord par un point F et une droite D. Et donc, la distance entre ce point F et cette droite D est également donnée. C'est le paramètre petit p. Une parabole, c'est le lieu géométrique de tous les points qui se trouve à la même distance de F que de D. Et la forme d'une parabole est bien sûr celle-là. Maintenant, nous choisissons un système de référence. D'abord, l'origine. Nous allons choisir l'origine au milieu de ce segment rouge, c'est-à-dire exactement là, de façon à ce que la parabole passe par l'origine. Maintenant, nous choisissons les axes de telle façon à ce que l'axe des X forme l'axe de symétrie de la parabole et l'axe des Y soit perpendiculaire à l'axe des X et passe bien sûr par l'origine O. Appelons la coordonnée de P en général XY, et maintenant nous cherchons encore la coordonnée du point F. Son abscisse, ça doit être la moitié du paramètre P, puisque l'origine O est choisie au milieu de ce segment rouge de longueur P. Donc l'abscisse du point F, c'est P/2, et l'ordonnée du point F, c'est bien sûr 0, puisque ce point se trouve sur l'axe des X. Commençons maintenant la détermination de l'équation cartésienne de P. Un point P de coordonnées XY appartient à cette parabole P,
si et seulement si, d'après la définition, la distance entre ce point P et la droite D est la même que la distance entre ce point P et le foyer F. Pour déterminer la distance entre le point P et cette droite D, on peut aussi déterminer la distance entre ce point P et ce point de contact-là. Appelons ce point de contact P'. La coordonnée de ce point P', c'est bien sûr moins P demi, ça c'est l'abscisse, et l'ordonnée c'est la même que celle de P, c'est-à-dire Y. Ce point P' a donc pour coordonnée moins P demi Y. Donc la distance entre le point P et la droite D, c'est la même que la distance entre P et P', comme ceci. Et pour déterminer la distance entre deux points, là et là, nous avons notre formule qui se base sur le théorème de Pythagore. Pour déterminer la distance entre deux points, on calcule simplement la racine carrée de la somme des carrés de différence des abscisses et différence des ordonnées. Eh bien, faisons ça ici, puisque nous avons abscisse, abscisse, ordonnée, ordonnée, et là aussi abscisse, abscisse, ordonnée, ordonnée. Il suffit d'appliquer cette formule-là pour ces deux distances et nous obtenons de suite ceci. Vérifions pour PP', les abscisses sont x et moins p demi, donc la différence des abscisses c'est x moins moins p demi, c'est-à-dire x plus p demi. Les ordonnées c'est y et y, donc différence des ordonnées c'est y moins y. Pour p et f, les abscisses sont x et p demi, donc la différence c'est x moins p demi, juste. Et pour les ordonnées, ça c'est y et 0, dont la différence c'est bien y moins 0. Dans cette formule-là, nous élevons des deux côtés au carré et nous effectuons tous ces carrés-là. Le premier, x plus p demi au carré. A plus b au carré, ça fait a carré, plus b carré, plus 2ab. Pour cette différence-là, nous n'appliquons pas le produit remarquable, parce que y moins y, ça fait 0, dont le carré vaut également 0. Ici, a moins b au carré, ça fait a carré plus b carré moins 2ab. Pour ce carré-là, de nouveau, n'appliquons pas le produit remarquable. Y moins 0, ça fait y, dont le carré, c'est y au carré. Regardons l'équation ainsi obtenue. Le signe d'égalité est là. Nous voyons qu'à gauche du signe d'égalité, il y a le terme x carré, mais à droite aussi. Donc, ils disparaissent tous les deux. À gauche du signe d'égalité, nous avons cette fraction-là, p carré quart, mais à droite aussi, avec le même signe. Donc, ils disparaissent tous les deux. L'équation restante, c'est px égale moins px plus y au carré, celle-là. Maintenant, nous bougeons le moins px, on le met de l'autre côté où il devient px, et px plus px, ça fait 2px. Et voilà, nous avons ainsi déterminé l'équation cartésienne de la parabole, mais attention, ça c'est l'équation cartésienne de la parabole dans un système de référence choisi comme celui-là. Remarquons que dans l'équation de la parabole, x est au premier degré et y est au deuxième degré. Nous allons maintenant déterminer le lien entre la parabole qu'on vient de définir ici et la parabole qui est le graphe d'une fonction du deuxième degré. S'agit-il bien du même type de parabole? Pour faire ça, je vais faire un peu de place ici. Voilà, ça, on va bouger comme ceci. Je vais mettre une poignée sur la directrice et maintenant je vais tourner cette parabole de façon à ce que son axe de symétrie devienne vertical. Pour une telle parabole, c'est-à-dire pour un système de référence ainsi choisi, nous obtenons par analogie x² est égal à 2py.
Il suffirait de faire exactement la même démonstration. Bien sûr qu'on obtient alors ce type d'équation parce que en ayant tourné la parabole de 90 degrés, nous avons automatiquement permuté le rôle de x et de y. Ça signifie à la place du x, on met un y, et à la place de l'y, on met un x. Dans cette équation, nous isolons encore le y, et nous obtenons effectivement une parabole du type y est égal à ax carré. Ce qui est bien une parabole représentation graphique d'une fonction du deuxième degré. Donc, notre nouvelle définition de parabole comme lieu géométrique correspond exactement à notre parabole représentation graphique d'une fonction du deuxième degré. Nous allons ici déterminer l'équation cartésienne de la tangente à une parabole en un point de cette parabole. Au départ sont donnés le foyer et la directrice D, et nous venons de démontrer que l'équation cartésienne d'une parabole dans un tel système de référence s'écrit comme ça. On nous donne un point P de coordonnées MN qui appartient à cette parabole. Puisque ce point P appartient à la parabole, c'est que sa coordonnée MN doit vérifier l'équation cartésienne de cette parabole. Donc, ce point P de coordonnées MN donné appartient à la parabole si et seulement si la coordonnée MN vérifie l'équation de la parabole. Donc, l'ordonnée n au carré doit être égale à 2 fois p fois l'abscisse m, dont nous déduisons que n, ça doit être plus ou moins la racine carrée de 2πm. Ici, nous sommes sûrs que le nombre 2πm est plus grand ou égal à 0, parce que p est un nombre positif, c'est une distance, et m, c'est l'abscisse d'un point de la parabole, et tous les points de la parabole ont comme abscisse un nombre strictement positif ou bien égal à 0. Ce que nous cherchons, c'est l'équation cartésienne de cette droite-là qui est tangente à la parabole en ce point de contact. Pour déterminer l'équation cartésienne d'une tangente, nous avons juste la définition de la tangente. Si une fonction f est dérivable en un nombre a, alors la droite t qui a cette équation cartésienne là, ça c'est la droite t qui passe par le point de coordonnées a, f de a, et qui a comme coefficient angulaire f' de a. Mais cette droite t qui a cette équation cartésienne là, c'est ça la tangente au graphe de la fonction et ça au point A de cette coordonnée-là. Seulement, une telle parabole, ce n'est pas une fonction, parce qu'une telle loi parabolique associerait par exemple à ce nombre-là une image, mais aussi une deuxième. Et si un nombre a deux images, alors il ne s'agit pas d'une fonction. Parce qu'une fonction dans R, c'est une loi qui à tout nombre réel associe un nombre au plus. Ça veut dire un ou aucun, mais pas deux. Nous allons donc faire ceci. Une parabole est constituée de deux graphes de fonctions. Et pour les trouver, nous partons de l'équation cartésienne de la parabole et nous isolons là-dedans le y. Donc on fait passer le carré de l'autre côté, à droite ça devient plus ou moins racine carrée, et voilà bien les deux fonctions, l'une avec plus et l'autre avec moins. Pour cette première fonction, toutes les images sont positives. La représentation graphique de cette première fonction verte doit donc être cette partie verte de la parabole. Pour la deuxième fonction, toutes les images sont négatives. La représentation graphique de cette deuxième fonction, c'est donc cette partie rouge de la parabole. Et maintenant, nous avons bien deux fonctions.
pour lesquels nous pouvons calculer l'équation cartésienne d'une tangente. Pour ce faire, nous avons besoin d'abord d'un point A du graphique de fonction que nous avons, il est donné, c'est le point P de coordonnées MN. Et nous avons besoin de la dérivée exprimée en l'abscisse du point donné. Calculons d'abord la dérivée. Nous allons faire ça en un seul coup pour les deux fonctions. Le f de x est plus ou moins racine de 2px et la dérivée d'une racine carrée forme une fraction dont le numérateur est la dérivée du radicand et le dénominateur est constitué du double de la racine telle qu'elle est là. Donc nous appliquons de suite cette formule de dérivation d'une racine carrée et nous avons aussi tout de suite simplifié par 2. Le f' de x, c'est-à-dire dérivée de ces fonctions, c'est plus ou moins p sur racine de 2px. Donc le f' de l'abscisse du point donné, c'est pour nous le f' de m. Remplaçons donc là-dedans x là et là par m. Et maintenant, nous avons déjà le f' de m. C'est plus ou moins p sur la racine de 2pm. Ce plus ou moins qui est là, on peut le mettre au dénominateur. Et alors, le dénominateur, c'est plus ou moins cette racine carrée là, la racine carrée de 2pm. Plus ou moins la racine carrée de 2pm, c'est égal à n, parce que le point P donné appartient à la parabole. Donc, plus ou moins racine de 2pm peut être remplacé par n. On pourrait croire que le plus ou moins a disparu, parce qu'on ne le voit plus, mais en fait, il est maintenant caché dans le n. Si le point P donné se trouve au-dessus de l'axe des x, alors le nombre n, il est positif. Mais si le point P donné se trouve en dessous de l'axe des x, c'est-à-dire sur cette partie de parabole rouge, alors le nombre n est négatif. Nous connaissons donc un point de la tangente ainsi que son coefficient angulaire, donc on peut appliquer cette formule-là pour trouver l'équation cartésienne de la tangente. La voilà. Cette droite-là passe bien par le point de coordonnées MN, et son coefficient angulaire, c'est bien P sur n. Le n qui est là, on va le mettre à gauche où il va multiplier, et le P qui est là, on va le distribuer sur ses parenthèses. Voilà, c'est fait. Ce nombre n au carré peut être remplacé par 2pm, vu que le point P appartient à la parabole. Alors n carré, c'est 2pm, donc, remplaçons ce n carré par 2pm. Ce moins 2pm, nous allons le mettre à droite du signe d'égalité, où il devient alors plus 2pm. Nous aurons ici moins pm plus 2pm, ce qui vaut pm. Et alors, l'équation cartésienne de la tangente au point P de coordonnées mn, c'est ny égale px plus pm. Retenons cette équation cartésienne de la tangente. On n'a pas besoin de la retenir par cœur, il existe un petit truc très utile. On part, en fait, de l'équation cartésienne de la parabole, donc nous partons de cette équation-là, et nous transformons l'équation de telle façon à ce que nous voyons le x deux fois, et aussi la lettre y deux fois. Donc, le 2px, on peut l'écrire sous forme de px plus px, comme ça nous voyons la lettre x deux fois, et le y au carré peut être transformé en y fois y. Ainsi, nous voyons bien la lettre x deux fois et la lettre y aussi. Et dans cette écriture-là de l'équation cartésienne de la parabole, nous remplaçons un des x par l'abscisse m du point donné et un des y par l'ordonnée n du point donné. Faisons ça, nous remplaçons ce x-là par m et ce y-là par n. Voilà, c'est fait. Et ainsi, nous obtenons l'équation cartésienne de la tangente.
Petite remarque concernant le point d'intersection de la tangente avec l'axe des x. Pour déterminer ce point d'intersection, nous remplaçons dans l'équation de la tangente le y par 0 et l'équation donne alors x est égal à moins m. Autrement dit, l'abscisse du point d'intersection de la tangente avec l'axe des x, c'est exactement l'opposé de l'abscisse du point P en lequel on calcule justement cette tangente. Donc ça c'est pratique pour tracer la tangente de façon précise. On reporte simplement la distance M vers l'autre côté et le point obtenu, il suffit de le relier au point P. Encore une petite remarque, mais pour ça je vais d'abord bouger plusieurs choses du dessin, comme ça. Imaginons qu'on nous donne un point P de coordonnées MN à l'extérieur de la parabole. Par un tel point P, il est toujours possible de tracer deux tangentes à la parabole. Appelons les points de contact T1 et T2. Et maintenant, nous traçons justement cette droite T1, T2. Cette droite T1, T2 est appelée polaire de ce point P par rapport à cette parabole P. Et bizarre, mais c'est ainsi, on peut le démontrer, l'équation cartésienne de cette polaire, c'est exactement cette équation cartésienne-là, mais il y a la différence que le point P n'appartient pas à la parabole, il est à l'extérieur de la parabole. Donc l'équation cartésienne de cette polaire de ce point P par rapport à la parabole a exactement la même forme que l'équation de la tangente au point P de la parabole. Une telle polaire existe pour n'importe quel point P à l'extérieur de la parabole. Si nous prenons un point P à l'intérieur de la parabole, la polaire n'existe pas, juste à l'extérieur. Et si maintenant nous allons rapprocher le point P de la parabole, alors observons ce que fait cette polaire. Je rapproche le point P vers la parabole et nous constatons que la polaire se rapproche alors vers justement la tangente à la parabole en ce point P qui lui sera finalement sur la parabole. Voilà une étude approfondie du lieu géométrique parabole.